monde, bienvenue dans ce nouveau vlog voyage. Aujourd'hui, on va pas très loin de Montréal, nous sommes à Trois-Rivières. C'est entre Montréal et Québec. C'est ma première fois et on commence notre visite à l'île Saint-Quentin. Donc, nous sommes en plein mois d'avril, il vente, il fait froid, mais on s'est dit pourquoi pas. Donc, on va commencer notre visite de l'île. Ensuite, on va se diriger vers le vieux Trois-Rivières. On a commencé à faire un petit tour de l'île. Il y a une aire de jeu, comme vous pouvez voir. Et en hiver, il y a une patinoire normalement. Mais je pense que là, elle est déjà fermée. En été, là, je pense que ce serait un bon programme. On a le bord de l'eau, on a une piscine. Normalement, il y a une plage là. Jusqu'au 30 avril, l'accès et le stationnement est gratuit. Donc, parce qu'après ça, c'est la saison estivale. Donc, le parc est vraiment immense. Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire le tour aujourd'hui, mais ça reste sur ma liste là pour l'été. On va aller faire un petit tour sur la fameuse passerelle. Oh, on n'a vraiment pas apporté les bonnes chaussures. Hein? On a trouvé cette magnifique passerelle. Oh. La vue est juste incroyable. Nous sommes en train de nous promener sur la passerelle. De chaque côté, là, on peut observer des animaux, des oiseaux. Il y a pas mal de monde. Donc là, elle est vraiment longue, la passerelle. Donc là, on a fait un petit bout. Là, on va retourner sur nos pas pour retourner vraiment aller cette fois-ci là dans le vieux Trois-Rivières, parce que si on reste ici là, on va arriver tard là-bas. Donc direction la voiture et on est parti. Nous sommes présentement devant le monastère Saint-Ursuline de Trois-Rivières. On ne peut pas avoir accès au monastère malheureusement. Avoir les photos, c'était vraiment très beau à l'intérieur, mais il y a un musée. Il faudrait juste réserver, acheter des billets en ligne. On se promène sur la rue des Ursulines. Il y a tellement de belles choses, des petites belles maisons là, des galeries d'art. On pourrait se promener ici là toute la journée. On s'en va dans un petit magasin là, assez quand même connu ici à Trois-Rivières, c'est Le Brin en ville, magasin général. Il paraît qu'on peut faire des petites trouvailles là-dedans. Là. C'est avec ça, là, on peut nettoyer. Bonjour. C'est pour faire la vaisselle. Thank you.
Yeehaw, Sabine. Là, on a quitté le petit magasin avec de belles petites choses là, achetées. Comme d'habitude, on s'est acheté des bonbons. Là, on a faim, on a faim, on a faim. On cherche un endroit pas trop cher où manger un petit peu avant de continuer. Donc là, on a trouvé restaurant Bravo Pizzeria. Donc, on va aller voir c'est quoi le menu, se poser un petit peu, faire le plein d'énergie et continuer. De tout, des pâtes, du poulet, des sandwichs, des mets asiatiques. Et je trouve quand même que les prix sont pas mal abordables, on va dire. Avec tout ce choix là, trop de choix, pas de choix. Voilà. Les assiettes sont gigantesques. Oh, qui va manger tout ça? Moi. On a super bien mangé. T'as bien mangé, hein, Sabine? Oui, c'était bon. Elle a fini toute son assiette. Incroyable. J'avoue, ouais, c'était super bon. Et de grosses portions. Donc, pour nous deux, ça nous a coûté 35$. C'est quand même pas pire. Donc, là, on se dirige au parc portuaire. Donc, j'ai vu ça aussi. On va aller voir de quoi ça a l'air. Nous sommes arrivés au parc portuaire, comme ça le dit. On a des navires ou des bateaux qui sont amarrés là. Donc, il y a des petits bancs pour s'asseoir, profiter de l'eau, du beau temps. Mais malheureusement, en ce moment, il fait froid. C'est sûr que encore là, ce serait plus agréable en été. Donc là, on va se diriger vers le parc Le Platon. Donc, c'est parti pour une autre escale. Nous sommes présentement dans le parc Le Platon. Malheureusement, je voulais venir au parc pour pouvoir monter l'escalier qui est juste là. En fait, cet escalier-là avait été construit pour relier le parc portuaire qui est là en bas jusqu'au centre de Trois-Rivières. Donc, mais malheureusement, l'escalier est fermé pour l'hiver. Bon, on a terminé notre visite de Trois-Rivières. Ce fut sympathique quand même, hein, entre l'île Saint-Quentin et là, ici, là, dans le vieux Trois-Rivières, il y a pas mal de petites boutiques. J'ai bien aimé les petites maisons, là, elles sont bien cute. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités qu'on pourrait mieux apprécier en été, là, donc comme les parcs et tout. Donc, c'est définitivement qu'une ville qu'il faudrait que je vienne revisiter en été. Mais il y a une activité que j'ai pas choisi de faire, le musée pop, mais il paraît que c'est quand même très intéressant là à faire, mais nous on n'est pas très musée, donc ça c'est aussi une chose que vous pourrez regarder à faire si vous venez à Trois-Rivières. Donc c'est tout pour moi pour le vlog à Trois-Rivières, définitivement à refaire. Donc je vous dis à la prochaine dans un autre vlog. Bye, bye.